Il est venu nous visiter nos ateliers de théâtre avec une structure qui s'appelle le Grand Cèdre, le foyer de vie du Grand Cèdre, qui est à Montigny-le-Corbeil. Et donc, il a fait des photos des adultes qui étaient dans nos ateliers de théâtre, et là, pour le coup, en séance de costumage, de recherche de costumes pour un des spectacles qu'on était en train de monter. Et donc, il a fait ses photos, et puis il est reparti avec ses photos, puis il a travaillé, puis ensuite, entre-temps, il y a eu la crise sanitaire, tout ça, vous savez. Et ça a un peu empêché, ça l'a pas empêché de travailler dans son atelier, mais nous, ça nous a un peu empêché de faire avancer notre projet d'exposition. Et puis enfin, on a pu le faire, et Pascal a pu venir ici inaugurer à la fois la galerie Zigzag et faire la première exposition avec son travail, qui s'appelle donc la série des portraits, et qui revient en fait sur cet atelier de théâtre adapté et surtout les acteurs principaux de cet atelier qui sont là peints et dessinés dans leur costume de théâtre.